Bonjour, bonjour à vous toutes, mes chers amis. Eh bien voilà, le soleil est installé en Bretagne, je vous l'affirme en tout cas. Je me suis baladée, j'ai pris le soleil et je me suis même baignée. Donc ça y est, c'est l'été, c'est super, j'espère que chez vous aussi, c'est pareil. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo avec un blog. Mon blog parlera de la peau. Avec une super surprise sur un partenaire qui nous fait une très très grosse ristourne. Et vous aurez effectivement un blog consacré à la peau. Voilà. Donc c'est pour les petites youtubeuses qui à la fin de la vidéo me disent « Bah oui, mais t'as pas parlé de ça. Bah non, mais parce qu'il faut aller sur le blog. » Voilà, voilà. Là, je vous parle des produits que j'ai essayés et que je vais reprendre ou pas. Les sérums, j'en ai testé. Alors là, vous allez vous dire « Mais elle en a plein. » Bah, elle n'en a pas plein. Elle en a quelques-uns, puis d'autres lui ont été offerts pour les essayer. Donc voilà, donc j'ai essayé ce sérum-là, qui est d'Estée Lauder, qui s'appelle l'Advancer Night Repair Concentrate. Ça n'a rien à voir, paraît-il, avec celui-là, qui est le Night Repair qu'on a l'habitude de voir dans les magasins. Celui-ci est un grand concentré. Alors on m'a expliqué, la vendeuse m'a expliqué, parce que j'avais acheté celui-là, qu'il se mettait en cure de 3 semaines, après, par exemple, une fatigue ou après une exposition trop importante au soleil parce qu'il reconstitue la peau. Il régénère la peau. Il n'est pas anti-rides. Il est régénérant et il rééquilibre une peau qui est fatiguée. Voilà. Il ne s'utilise qu'en cure. C'est-à-dire qu'on le fait peut-être 2-3 fois dans l'année, mais c'est tout. Voilà ce que m'a dit la vendeuse. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Je l'ai fait sérieusement 3 semaines, il m'en reste encore plein parce que bah moi je l'utilise que peu, hein. On en met que peu de gouttes, donc on fait beaucoup plus que 3 semaines avec, c'est sûr. Je ne m'expose jamais au soleil, donc le visage, je vous parlais, hein. Je ne me mets jamais le visage au soleil. Et il est même protégé avec des écrans solaires parce que je ne veux pas prendre la couleur de mes bras et non, mon visage, je fais attention. Il n'est pas anti-rides, il n'est pas raffermissant, il régénère et rééquilibre une peau. Moi, j'ai absolument trouvé aucune amélioration de ma peau. Alors, peut-être que j'ai un peu difficile, parce que comme j'entretiens beaucoup ma peau, effectivement, j'ai moins des résultats énormes, quoi, c'est sûr. Mais en tout cas, vu le prix, parce que ça coûte très cher, je suis sceptique, hein, très très sceptique. Alors que pour celui-là, je ne suis pas sceptique du tout. Il fait la même chose, sauf qu'il n'est pas en cure. C'est pas un anti-ride, c'est pas un fermeté. C'est quelque chose qui rééquilibre la peau, qui répare la peau, on va pas dire en grande profondeur, parce que vous savez que vous comme moi, c'est pas possible. Mais en tout cas, qui régénère les cellules et qui fait que la peau est en bonne santé. Alors celui-ci est moins cher d'une part que celui-là. Et celui-là, je continuerai à le prendre. Parce que pour moi, c'est un produit culte, 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 je l'adore. Je l'emploie depuis 20 ans à peu près et je l'adore. J'ai du mal à m'en passer, je l'adore. Voilà. C'est un sérum que je mets automatiquement tous les soirs. Tous les soirs. Qu'est-ce que je vous raconte? Tous les jours, je le mets tous les matins, pas tous les soirs, que ça j'en mets un autre. Ça, c'est tous les soirs que je mets. Mais on peut le mettre matin et soir. C'est parce que j'en ai quelques-uns essayés. Donc, effectivement, je fais attention. Alors, je parle encore d'Estée Lauder. Celui-ci est le... Oh là 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 là. Je prends mes lunettes. Je vois pas du tout ce qu'il y a écrit dessus. Je sais que c'est un anti-ride et fermeté. Le perfectionniste CP plus R. Donc, c'est un sérum qui fait effet lifting. Il est raffermissant, il est anti-rides. Alors, il n'est plus lacté, hein. L'autre est un sérum. Celui-ci est un sérum transparent. Là, vous voyez, c'est beaucoup plus crémeux. Hein. Et c'est anti-rides, on va dire, et raffermissant. Je l'utilise depuis 3 semaines, le soir. Bah voilà, quoi. Je vous dis franchement... Autant celui-là, je l'adore. Autant celui-ci, j'ai pas vu vraiment que ma peau était raffermie. Mais il faut plus longtemps. 28 jours. On va dire 2 mois. Hein. Donc, je vous en reparlerai dans 2 mois. Pour l'instant, je mets un bémol. Alors,
ce sérum-là, mais bon, celui-là non, les deux sérums, je l'utilise avec une crème qui s'appelle la Revitalize Suprême d'Estée Lauder. Alors, c'est une crème d'Estée Lauder qui n'est pas la plus chère, moi, sauf fond, puisqu'elle doit faire dans les 50 euros. Je sais que c'est cher, mais je vous en présenterai d'autres moins chères. Elle est très, très onctueuse, très crémeuse. Elle est pour une peau mixte. Pour une peau très sèche, elle ne serait pas suffisante. Moi, je l'aime beaucoup. J'en mets peu. Je l'aime beaucoup. C'est pour moi un équilibre au niveau prix que je respecte et que je peux mettre. Donc, je suis contente. Estée Lauder, je connais depuis, oui, 30 ans à peu près, mais même avant. Mais je l'utilise à peu près depuis mes 30 ans. Et ça, c'est vrai que je suis très, très Estée Lauder parce que ce sont, à mon avis, les meilleurs anti-rides. Je m'étais fait avoir, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec une crème Lancôme. Alors, qui était vraiment le top des tops, paraît-il. Parce que le vendeur m'avait dit que j'avais une peau catastrophique, pratiquement. Hein. Élixir de régénération ultime de chez Lancôme, absolu, extra. Oh, eh bien, écoutez, elle coûte, je ne vous dis même pas combien elle coûte, parce que j'aurais honte. Le pot, regardez-moi ce pot. Il est somptueux. Je ne sais pas combien coûte un pot comme ça. Mais c'est certainement très, 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 très cher. Donc, on a le pot, il est hyper lourd en plus. Et il y avait le contenu. Ça sentait très bon. C'est vrai qu'il y a encore l'odeur, même si elle est finie. Très agréable à poser, hein. Oui, c'est vrai qu'elle était superbe au point de vue texture. Sincèrement, je n'ai pas vu de différence à la fin de mes 2 mois de peau. Mais non. Hydratons, nourrissons, faisons de l'anti-ride, mais n'achetons pas des sommes folles pour des produits qui se foutent de nous. Hein. Là, c'est vraiment se foutre de nous. Donc, ne mettez pas très très cher dans votre crème. J'en avais acheté une La Prairie aussi. Alors, c'est meilleur que... Bon, moi, j'ai trouvé supérieur à Lancôme, hein, quand même. Hein. Et, mais je me remettrai plus cher en crème dans La Prairie. Hein. Ça, c'est terminé. Alors, j'ai un autre sérum à vous présenter. Vous connaissez peut-être, c'est Fiderma. Fiderma, l'élixir anti-âge qui est au champagne. La peau alcoolisée. Ça fait comme des petites billes dorées. Et quand on les écrase sur la peau, ça fond très très bien. Très agréable. Alors pour moi, il est un bon sérum. Avec des prix nettement moins chers. Hein, allez voir sur le site Fiderma. Il est extra. Vraiment. Quand on a besoin d'éclat, il est super. C'est un excellent sérum. Petit prix par rapport à celui-là et efficace. C'est un sérum que je reprendrai parce que je l'aime beaucoup. Fiderma, élixir, anti-âge. Ça s'appelle Pétillance. Oh, vous voyez comme c'est chouette. Alors, Pétillance, et j'ai 2 autres sérums à vous, pour vous parler. Skin Chimist. Alors, qui est Skin Chimist? Alors, c'est un site, c'est une marque qui est basée à Londres, en Angleterre. Jusqu'à maintenant, moi, ces produits, je les connaissais bien et je les aime bien, mais leur site était complètement en anglais. Alors, si vous étiez comme moi à ne pas comprendre du tout l'anglais, c'était galère. Les prix aussi étaient en anglais. Alors, déjà, on a du mal, quelquefois, à acheter des produits, moi, avec ma carte. Je le fais, mais bon, et si c'est en anglais, alors là, je ne le ferai pas du tout, quoi. Donc, le site de Skin Chimist a complètement été revisité, complètement, il est complètement en français. M'a prévenu ma petite amie qui s'appelle Anaïs. Et voilà. Donc, moi, j'ai essayé, là, elle m'en a envoyé 2 à essayer. 2. Alors, je vais vous parler de celui-ci, qui s'appelle, bien sûr, Skin Chimist. Mais je chausse mes lunettes, parce que là, je ne peux pas trahir mon âge, je ne vois plus clair pour lire. Alors, c'est le sérum venin. Alors, c'est un sérum qui est au venin d'abeille. Ouh, les abeilles, je déteste. Oui, mais leur sérum, elles vivent bien ces petites abeilles. La reine, là, elle est bien, bien en forme. A-t-elle une belle peau? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, le venin des abeilles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoutez, c'est transparent en tout cas. Vous voyez, comme un gel. Moi, je l'ai essayé que depuis hier. Donc, ça sent bon. Hein.
Et ça pique pas comme les abeilles, c'est quand même bien plus sympa. Je ne sais pas. Je l'ai essayé, application très très agréable, mais si je vous disais que ça me fait de l'effet au bout d'une journée, vous ne me croiriez pas. Bah oui, c'est sûr. Donc, je l'essaye et je vous dis. Alors par contre, qu'est-ce que me dit ce sérum-là sur la petite fiche? Bah, ça serait peut-être bien si je l'enlève pour vous dire effectivement, je vais casser la boîte, ça c'est évident. C'était juste pour vous montrer la boîte parce qu'après je la jette. Alors, ils me disent, l'appliquer matin et soir sur une peau propre et sèche. Une crème hydratante peut être appliquée sur le sérum. Moi, je vous conseille. Hein. Lorsque la première utilisation, veuillez effectuer un test cutané. Oui, ça c'est toujours préférable. Utilise la dernière génération de technologie sans air et nos pompes. Oui, d'accord. Donc, alors, c'est simplement à base sur une peau propre. Oui, ben, il faudrait que vous alliez sur le site pour voir pour quel type de peau c'est. De toute façon, c'est anti-âge, mais est-ce que ça agit mieux sur la fermeté? Ça, c'est à savoir. Donc, le sérum à base de venin d'abeille. Donc, voilà. À essayer. Et un autre que je connais déjà depuis pas mal de temps, c'est le Wrinkle Killer. C'est un sérum anti-rides. Alors ça, si je ne m'abuse, c'est au venin de serpent. Ah, je vous en parle de choses. Alors moi, ça, je l'aime beaucoup. Alors ça, je l'ai repris X fois. Appliqué professionnel, 4%, deux fois par jour, en complément de votre soin. En mouvement circulaire sur la zone souhaitée, le matin avant l'hydratation et le soir pour votre toilette. Alors, toujours un test, en sachant que ces produits-là ne sont, non pas de parabènes, ça c'est sûr, mais ne sont pas du tout testés sur les animaux. Donc voilà, le Wrinkle Killer, bon la pompe est automatique, hein, donc voilà, qui est aussi un tout petit peu plus blanc que l'autre, mais moi je sais que j'avais beaucoup aimé, et vraiment il agissait vraiment sur la fermeté du visage. Moi je l'avais beaucoup, j'aime moins l'odeur, mais bon, c'est pas, ça passe très vite l'odeur, je l'avais beaucoup aimé. Donc, allez voir sur mon site, parce que Skin Chemist nous fait un bon plan. Donc, c'est vraiment très agréable. Merci Anaïs de nous donner la possibilité d'avoir une réduction énorme sur leurs produits, puisque c'est moins 85%. Oui, vous entendez bien, moins 85%, c'est écrit, hein. Moins 85%, c'est fou ça. Donc voilà, allez voir sur leur site. Moi, je vais le trouver ce soir aussi en français, ce sera bien agréable. Merci Anaïs pour toutes les lectrices, c'est super sympa. Et allez, vous aussi, découvrir ce site-là. Voilà, bah écoutez, moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Avec le soleil, je suppose que c'est toujours formidable. Et je vous dis à demain pour une vidéo maquillage. Et oui, le vert et le mauve, c'est très très joli aussi pour l'été. Voilà. Et dites-vous bien aussi que pour les manucures, bah, quand vous voulez me les envoyer, c'est sur mon blog personnel. Et quand vous aurez à voter la semaine prochaine, ça sera aussi sur mon blog personnel. Pour ne pas faire pour ne pas savoir pour qui on vote, c'est secret. Hein, voilà. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée à toutes et peut-être à tous.